Maxi, écoute, chez Maxi, cette semaine, le rôti de contre-filet. Tu sais, la semaine passée, il y avait le faux filet, là, à 8,99 la livre. C'est, je l'ai acheté, il était bon, là. Oh, je ne sais pas si tu as vu mes photos. Ouais, ça, pendant la Saint-Valentin, c'était bon. J'ai fait fureur, bien sûr. Mais cette semaine, c'est le contre-filet. C'est sûr que c'est un petit peu moins tendre que le faux filet, mais il coûte bien à 5,98 la livre, ou tu peux faire 13,18 le kilo. C'est quand même pas cher pour un vrai steak, là. Hein? Que tu peux manger saignant, bleu, mi-cuit, super cuit. Mais quand même, super cuit, je te conseille pas, là, parce que ça va être raide, là. Faut pas trop faire cuire ça du steak, hein? Sinon, ça vient raide. Chez Maxi aussi, qu'est-ce qu'on retrouve? Écoute, ah oui, des côtelettes de longe de porc, là. Avec l'os, ça, j'ai pas ça. Il y a 2 piastres la livre, ou tu peux faire 4,41 le kilo. Tu as plusieurs coupes, là. Tu sais, tu as 3 coupes souvent, l'autre surlonge ou le bout de côte avec l'os. Fait que c'est assez gras. Fait que quand tu le fais cuire, ça fond tout ça, parce que c'est ça qui est le fun avec le porc, hein. Le gras, il est plus à l'extérieur. Il contourne la viande, il n'est pas dans la viande. T'sais. Fait que dans ce sens-là, c'est une protéine qui est assez maigre, normalement. Puis là, ben, vu que c'est gras, ça cuit, fait que ça donne du goût à ta viande. J'aime les petits goûts. Là, il est moins beau à regarder, mais il est bon. Il a un bon petit goût. Ben, à ce prix-là, ben, écoute, il ne faut pas s'en priver. C'est sûr qu'une petite patate pilée, là, super bon. Aussi, chez Maxi, écoute, les avocats cette semaine, ça, c'est un bon gras, là. Hein, il y a des protéines dans un avocat. C'est un gras naturel, végétal, super bon pour la santé. Puis qu'on peut faire des guacamoles avec ça et tout. Puis là, il est pas cher. Écoute, pour 6 unités, 2 piastres. C'est des filets de 6, là. Il doit être petit, j'imagine. Chez Maxi en plus, là, c'est tout petit, mais à ce prix-là, hein, ça va être dur de se faire avoir, là, c'est certain. Tu as des pommes aussi à ce prix-là, là. Donc, écoute, pour 2 piastres, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui pour 2 piastres, ça c'est certain. Tu as juste un abonnement à papa à chaque semaine. Fait que tu veux, ça te donne une idée comment est-ce que on n'a pas grand-chose pour à 2 $. Donc les avocats, ça vaut la peine, ça peut faire vraiment. Puis ça, j'ai un petit truc que je te donne. Tu fais ta guacamole, comme tu veux, là. Moi, c'est sûr qu'une guacamole sans coriandre fraîche dedans, là, il manque un petit quelque chose, là, puis tu mets un petit zeste de citron, puis tu peux mettre n'importe quoi à l'eau. Des petites tomates, ou juste comme ça, hein. Un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail si tu veux, ou juste vraiment l'avocat, un petit peu de zeste de lime par exemple. Écoute, puis tu as déjà là, une belle guacamole, puis tu mets ça à la place de mettre de la mayonnaise dans une salade de tomates. J'aime ça, salade de tomates. Tu mets ça à la place. Hey, ça fait toute une super, ça fait beau, là, c'est rouge, la tomate est rouge avec vert, là, tu sais. Fait que ça fait une belle couleur, puis c'est hey, vraiment, c'est super bon. C'est surprenant, franchement, là. En tout cas, si tu essayes ça, peut-être que, puis, hein, on s'entend du coup pour la santé, là, c'est vraiment un bon choix. En tout cas, regarde, je donne des idées, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avec des avocats que je te laisse aller là-dessus. Écoute, c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine, mais va voir hein, la liste de papa-papote, là, il y a plein de choses, surtout chez Maxi, il y a plein de petites choses dans l'intérieur de l'épicerie qui sont vraiment pas chères cette semaine, qui valent la peine. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine. Écoute, hein, fais-moi un commentaire. Surtout, fais-moi un petit j'aime, partage. Parce que, écoute, il faut absolument que le plus de monde possible voit la vidéo de Papa Popote. Surtout si tu vis au Québec, c'est un must de regarder la liste de Papa Popote. Parce que tu sauves énormément d'argent. Puis ça t'aide, ça t'inspire pour pouvoir, tu sais, faire tes repas, aller justement choisir ce que tu vas faire cette semaine. Tu sais, faire ton menu, là. T'sais. Fait que je te conseille vraiment, puis partage ça à tous ceux que tu aimes. Gêne-toi pas, gêne-toi pas. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une belle semaine. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa papa. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa papa.